Que nous avons vu nos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Il agitera des côtés et d'autres les gerbes devant l'Éternel, afin qu'elles soient agréées. Le sacrificateur agitera des parts et d'autres le lendemain du sabbat. 1 Corinthiens chapitre 15. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection du monde. Et comme tous meurent par Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en ce moment, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Alors, l'homme de son revenu. Amen. Prie le Seigneur. Béni sois-tu, ton Père Céleste. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment de ce que tu as permis que nous puissions nous réunir pour la gloire de ton nom. Maintenant, Père, nous allons ouvrir cette Bible au Dieu, comme les intellectuels qui ont été à l'école, Père. Oui, Seigneur, mais l'Esprit, c'est toi qui donnes. Viens, Seigneur, pour nous donner le contexte de ce que tu as expliqué, Seigneur, dans ce âge de la fin, au travers de ton prophète, William. Bénis la lecture de ta parole, bénis tes enfants si présents, que tu sois pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que ce soit que c'est ton fils. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la fête des gerbes agitées. Comme nous sommes en train de parler sur les sept fêtes d'Israël, aujourd'hui c'est la fête des gerbes agitées, ou encore la fête des prémices, donc c'est la même chose. Donc la fête des gerbes agitées, comme le dit la Bible dans Lévitique 23. Au temps de la moisson, lorsque la moisson est mûre, on faisait des gerbes, et cette gerbe devait être amenée chez les sacrificateurs. Et les sacrificateurs ont agité cette gerbe de part et d'autre pour montrer que le champ est arrivé à maturité. Amen. Ceci a été nommé comme étant la fête des prémices. Cette gerbe-là montrait que tous les champs aussi sont matures. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas tous les champs qu'on va amener. Pour montrer que voilà la maturité du champ. My. On amène seulement une gerbe pour montrer. Yes, amen. Ceci nous parle de la représentation. My. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Amen. Christ, quand Christ est mort, lorsqu'il est ressuscité, il a ressuscité Abraham. Il a ressuscité Noé, Enoch, tout le monde. Même Enoch. Amen. 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 Puisque Enoch s'est retrouvé dans le séjour de mort. Le frère Abraham dit que les sangs, les boucs et les animaux ne pouvaient pas les entraîner dans la présence du Seigneur. Amen.
Donc tout le monde allait à la cinquième dimension qui était contrôlée par le diable. Yes. Parce que c'était impossible d'arriver à la sixième dimension avec les sangs, les boucs et les taureaux. Et donc, Noé, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Bon, si Enoch s'est retrouvé dans la cinquième dimension, qui est le séjour de mort, je ne sais pas par quel moyen ou par quel miracle il est arrivé là-bas. Or, pour y rentrer, tu dois mourir. Yes, sir. Maman. Amen. Frère, la Bible a un langage. Yes. Quand il est Enoch, il marcha et il fut enlevé. Les gens pensent qu'il marchait comme ça. Et après, il commence à monter. My. Frère, si nous le comprenons comme ça, donc le frère Banam est venu se promener. Le frère Banam est venu nous montrer le contexte. Le frère Banam dit que même Élie, il dit qu'il a traversé le Jourdain. Il a laissé tomber son manteau de chair. Yes. Alors, quand frère Banam dit, frère, si il dit comme ça, alors comme ça que le manteau que Élie avait possédé le corps d'Élie. Moi, je dis non. Son corps était resté yes. avec le manteau. Lui, yes. il avait le manteau, il avait l'air. Yes. Maintenant, il y a deux manteaux. Allez. Il y a deux manteaux. L'autre manteau, c'était le corps. Parce que quand Dieu parle du manteau, d'un habit, pour Dieu, l'habit, c'est un homme. Yes. Amen. Le prophète est l'habit de Dieu. Yes. Le problème, c'est que nous utilisons les mêmes verbes et le même vocabulaire avec Dieu. Yes. Mais le meaning. La signification derrière. Yes, sir. C'était ça, au fait, le message de William Branham. Amen. Vous savez, quand le frère Branham est descendu de la montagne, la, on dit qu'il nous a ramené le nouveau livre. Mais la, le frère Branham n'a pas ramené une nouvelle Bible. C'était la même Bible. Amen. Il a simplement ramené la révélation de ce qui était dedans. Amen. Donc, ça dit que dans la pensée de Dieu, la Bible a déjà été écrite. Yes. Du commencement jusqu'à la fin. Alors quand on arrive là à Apocalypse 22, ça dit que tout ce qui concernait la rédemption de la Bible était déjà accompli. Amen. 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 Et quand le frère Branham vient maintenant, il nous donne la, la signification, la définition de la révélation. Il dit la révélation, Apocalypse, ça veut dire quoi? C'est Apocalypse qui veut dire une révélation. C'est-à-dire un sculpteur. Amen. Amen. Un sculpteur qui fait sa statue, il fait avoir le travail. Amen. Amen. C'est comme ici, là, quand on construit une maison, elle-même, on clôture. Yes. Personne n'a le droit d'aller là-dedans. Yes. Seulement ceux-là qui travaillent là-bas. Mm-hmm. Il va construire, vous mettre une maquette. Yes. Comme ça c'est là. Enfin, les jours que vous verrez, que cette clôture est ôtée. Cela veut dire que l'immeuble est prêt pour être habité. Yes. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a couvert tout. Le chef de l'épouse, Dieu a couvert ça. Il a travaillé, il a travaillé. Arrivé maintenant au temps de la fin, il a fait maintenant William Branham. Amen. Il dit, William Branham, toi, va enlever le voile. Tout ce que le frère Branham a fait, il a simplement enlevé le voile. Et nous avons vu tout ce qui a été. Hier, on m'avait invité à Reading. Il y avait le frère La Marche de la France qui est arrivé là-bas. Il a prêché le tonnerre. Il dit que je ne crois pas le tonnerre, mais je suis moi-même le seul tonnerre. Moi, j'ai dit Amen. Amen. Après, il a dit les sept tonnerres sont venus pour nous donner la foi de l'enlèvement. Moi, j'ai dit Amen. Après, il dit que les sept tonnerres vont changer nos corps. Frère, les sept tonnerres ne viennent pas dans les âges de l'église. My. Le problème c'est qu'on a pris les sept tonnerres, on en a fait une doctrine. My. Les sept tonnerres ne diffèrent pas des sept sceaux. Parce que les sept tonnerres, il faut quand même dire que c'est la voix qui avait révélé les sceaux. Yes. C'est vraiment une voix. Ouais. Et les sept tonnerres n'arrivent pas dans les âges de l'église, ils arrivent après les âges. C'est là où les gens vont échouer pour voir les plans. Ils ont pris les choses qui sont en dehors des âges, ils l'ont placé dans les âges. On parle de la pierre de fête, on parle de l'âge de l'épouse, mais on dit que nous attendons l'enlèvement. My. Question de plan.
Mais ici, nous sommes dans la représentation. Parce que Dieu marche toujours dans la représentation. La Bible dit ceci. Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Or, à chaque dispensation, il y a une résurrection. Quand Christ est mort, il est ressuscité. Après la dispensation juive, il y a une résurrection. Tous les saints de l'Ancien Testament étaient ressuscités. Amen. C'est-à-dire que le même Christ maintenant, qui meurt dans les âges de l'Église. Amen. Chez les gentils, le Christ ne meurt pas dans une tombe de physique. Il meurt dans une tombe qu'on appelle les âges de l'Église. Et sa résurrection ne sera pas comme la résurrection de là-bas. Amen. 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 Quand il est mort dans les âges de l'Église Christ, à la fin des âges, lui étant le prémisse de la résurrection, il doit aussi pour lui une résurrection. Yes. Donc on ne peut pas parler de la résurrection après la fin de l'expansion du temps. Écoutez ce que la Bible dit. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Maintenant nous sommes morts comment? Est-ce que je suis mort en attendant, je suis mort physiquement? Non. Christ dit que celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Yes, sir. C'est ce que j'ai dit. Il y a des morts qui conduisent des voitures. Yes. Amen. C'est la définition de Dieu. C'est lui qui conduit la voiture là, qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est qui mort. N'a pas de Dieu en lui. Qui n'est pas une semence prédestinée. C'est la mort. Amen. My. Et Adam. Abraham. Tous les saints, frères Bosso, c'est Oméga. Ne sont pas morts, ils sont vivants. Yes. Ça, c'est la définition de Dieu. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivent en Christ. On meurt en Adam, on revit en Christ. Amen. C'est pourquoi on dit que la résurrection, ce n'est pas que nous allons déterrer le vieux cadavre. C'est quoi après? Faire dit que c'est si nous a posé des embêtements, ça peut aller nulle part. Ça doit mourir, c'est ça la destination. Comme je l'ai toujours dit, la rédemption, c'est-à-dire ramener. Si vous prenez le corps là, vous le ramenez au ciel, ça ce n'est pas ramener. Pour commencer, le corps n'est pas venu du ciel. Yes. Vous ramenez ça où? Malheureusement, aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook un frère, un message, a mis le même enlèvement des accidents. Et le message de frère Baran. Je n'ai pas commandé, j'ai évité. Alors, et comme tous meurent en Adam, Adam est mort comment? Adam est mort dans le jardin, il n'est pas mort pour entrer dans un cercueil. Il a laissé la parole de Dieu pour croire la parole de Satan. Yes. Au travers de l'Église, qui est sa foi. C'est ça l'Église, frère. Croire la parole de l'Église, c'est croire Satan. Hier, quand j'étais là, j'ai parlé avec le frère Lamarche. On a parlé d'un discuter un peu là. À la fin, il me donne une brochure. Moi, bon, on ne refuse pas les brochures. Je prends les brochures comme ça, je regarde comme ça. Joseph Poulman. Oh. Ah, moi, je sais, donc c'est à ce niveau-là. Enfin, j'ai les brochures à la maison de Joseph Poulman. J'ai essayé de lire là-dedans. Il dit, oh, nous remercions le frère là, ça fait longtemps qu'il était là. Mais qu'est-ce que ça va me faire? C'est que Koulman est plus cher. Frère, aujourd'hui, la révélation est allée au-delà de Koulman. Yes. C'est-à-dire que quand vous êtes là, à suivre simplement ce que Koulman a prêché. C'est-à-dire que quand la lumière vient de vous le verrez plus, en plus Koulman est mort. Donc lui, il ne sera plus là pour vous donner la vérité. Il s'est arrêté là. Donc c'est-à-dire que c'est une barrière pour eux. Je regarde comme ça, j'ai pitié. Frère, c'est pourquoi il faut demeurer dans les prophètes. Amen. Que les frères Branham puissent être les seuls absolus frères. Amen. Nous avons en Allemagne, là-bas, chez votre frère, il y a les lettres circulaires. Et ce qui est grave, quand ils lisent les brochures de frère Branham, ils lisent aussi les brochures de tout le monde à l'église, frère. Et ils lisent ça comment? Ils lisent d'abord la Bible, et après, ils lisent la Bible de tout le monde. Ouais. Or,
L'épouse ne peut pas devenir une maison. Amen. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Alors, le frère va dire que la fin de la dispensation des gentils, c'est l'avènement de Christ. Beaucoup de gens disent que voilà, nous attendons le dernier. Quand il sera appelé, le dernier. Le frère va dire que la nuit qui ne parle pas trop avant que le dernier élu pousse en terre. Yes. Bon, toi tu prêches que la nuit a quitté le trône. Avant de t'être contre la table de dernier élu, tu ne vois pas, tu comprends mal les écritures. Mal. Tu vas faire un choix. Soit tu dis que nous avons le dernier, la nuit est encore sur le trône. Or, la nuit sur le trône, tu ne peux pas ouvrir les seaux là-bas. Yes. Les seaux sont ouverts, donc la nuit a quitté. Donc tu es obligé de croire que les derniers élus sont déjà entrés. Maintenant, entrer en prison, c'est ça le problème. Yeah. Maman. On pense que les derniers élus entrera, ils viendront comme ça. Je suis les derniers. Frère, le message est venu pour nous guérir de la maladie du pentecôtisme. Yes, sir. C'est le travail que nous devons faire aujourd'hui. C'est doter le pentecôtisme dans le cœur des gens. Les derniers élus ne peuvent pas entrer après. Amen. Amen. Maintenant, les femmes vont nous dire que dans toutes les fêtes, la fête de la moisson, ou la fête de Pentecôte, ou bien la fête des semaines, exprimait les sept âges de l'Église. Amen. Donc vous allez voir que tous les sept âges de l'Église sont sous la fête de Pentecôte. Et vous allez remarquer, à la fin chez nous aussi, c'est la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit. Dans le peuple là-bas, à la source spirituelle. Frère, et dès qu'on finit là-bas, parce que le frère m'a dit qu'il y a beaucoup de réveils. Les réveils après faire. Pourquoi? Il dit que les parler en langue, c'est le dernier signe du réveil. Il dit que Jésus, avant de mourir à la croix, il a parlé en langue. Les disciples, quand ils sont montés à la chambre haute, ils ont parlé en langue. Le frère m'a dit que c'était la fin. Chez les gentils. Lorsqu'il y a eu Azouz Asprit, c'était il y avait le parent là, c'était la fin de la dispensation des gentils. Amen. Or, lorsque on arrive là à la fin de la dispensation des gentils, cela est clôturé par l'enlèvement. Et après l'enlèvement, nous allons maintenant dans la fête des trompettes. Faites-moi dire que toutes les trompettes ont sonné sous le sixième saut. Mais le sixième saut, c'est le saut de la tribulation. Et le septième saut, c'est les anges sur terre. La fin des trompettes, la fin des expiations et la fin des tabernacles, tout se condense dans les troisième demi, avant d'entrer dans le huitième jour. Parce que la fin des tabernacles, ce n'est pas le huitième jour. Les femmes ont dit que c'est le septième jour, c'est toujours le septième millénaire. Mais la fête, n'est-ce pas, de la sainte convocation, c'est au-delà de toutes les fêtes. On a dit à la femme, tu as épuisé toutes les fêtes. Tu as épuisé tous les sept. Frère madame, je vous dis qu'il reste encore une fête. On les invitait à la fête de la sainte convocation. Or, la sainte convocation, c'est en dehors du message. Donc, les sept têtes de l'église, qui est pour la fête de la moisson? Lorsque c'est la parfaite, nous allons directement à la fête des trompettes. Or, de la fête des trompettes, il ne s'agit que des gentils. Parce que c'est déjà les sixième saut. Toutes les trompettes ont sonné sous les sixième saut. Et le frère a dit que sous les sixième saut, il n'y avait que six trompettes qui avaient sonné. Et la septième, il dit que c'était la grande trompette qui appelait Israël à rencontrer Joseph. Vous êtes avec moi? Et Israël n'a pas rencontré Joseph en Égypte, en Israël. Israël, c'est-à-dire que Jacob a rencontré Joseph en Égypte. Et lorsqu'ils étaient là, c'est Matthieu 17. Frère Barabé, Matthieu 17, il y avait les 144 000 et il y avait Élie et Moïse, l'ordre de sa venue. Or, là-bas, dans Matthieu 17,
résolution des chantiers. Parce que la résolution des chantiers devait se faire ici à la fête de la fête de poissons. Voilà pourquoi ici, là, on dit que Christ étant le prémisse de la résurrection. Il a connu la résurrection chez les gentils et chez les juifs. Et il a aussi le connu ici dans la fête de poissons pour nous. Et à la fin de toutes les fêtes, il connut une résurrection générale pour ceux qui ont été chantés avec l'épouse. Parce qu'à la résurrection, n'est-ce pas, à la naissance de la première fête, ce n'est pas l'épouse qui ressuscite. L'épouse revient. Amen. L'épouse revient à Dieu. Parce qu'elle était ressuscitée dans les âges de, après les âges de l'Église. À la fin des âges de l'Église. C'est là que s'accomplissait, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 15. Et c'est là que s'accomplissait 1 Thessaloniciens 4. Amen. 1 Thessaloniciens 4 ne peut pas traverser la fête des trompettes, frère. Vous voyez, oh, quand vous, si vous prenez le fait, vous prenez les âges de l'Église, les gens sont déboussolés. Le problème, c'est que le message n'est pas étudié. Amen. Maintenant, les gens vont dire ceci. Quand nous allons arriver à la fin des trompettes, ça serait très bien. Les gens vont dire ceci. Juste pour montrer. Now remember, there is 7 days, there is 7 feast days. Il y a 7 fêtes, 7 jours de fête. The feast of the trumpet, la fête des trompettes. The feast of tabernacle, la fête des tabernacles, the feast of the sheaf waving, la fête des herbes agitées. All this, there is 7 good feast days. Il y a 7 grands jours de fête. That was only a type of 7 church ages. Famille, cela était simplement les types des 7 âges de l'Église. Amen. And you remember how many Sabbaths there was between one and the other. Il y avait combien de Sabbaths? Ici, dans la fête de la moisson, ici, c'est la plus longue fête. C'était, il y avait 7 fêtes. Dans les 7 fêtes-là, ça faisait 7 âges de l'Église. Amen. Il dit ceci, le frère. Il dit, si 7 Sabbaths between Pentecost and trumpet. Avant la fête des trompettes, il y avait les 7 sabbats. Quelles sont les trompettes? Les trompettes appellent Israël pour l'expiation. C'est quoi l'expiation? Ah, je me fais voir. Il faut vraiment donner toutes les définitions. Quand il ne sait pas que les trompettes ont appelé Israël à l'expiation, c'est fini. Non. On me l'a expliqué. Les trompettes, c'est quoi? Les trompettes, c'est l'évangile. Donc, ça dit que c'est l'évangile. Qui sont les trompettes? Ce sont les 2 témoins. Et le frère Madame a dit que les 2 témoins ont ouvert le 6e sceau. Amen. On va chercher les 2 témoins après l'ouverture du 6e sceau. Parce que ce sont 2 qui ont ouvert le 6e sceau. Est-ce que le 6e sceau est ouvert? Oui, monsieur. Alors, on dit que voilà, le 7e sceau n'est pas encore ouvert. Non, le 7e sceau ne peut pas demeurer fermé pendant qu'il y a le premier sceau qui est ouvert. Parce que les 7e sont enfermés. Les 7e sceau, c'était le vol qu'on avait couvert. C'est ça le 7e sceau. Au fait, il y avait les 6 sceaux. Les 7e poussent 6 sceaux. Quand on enlève maintenant les 7e sceau, sans l'ouverture du 7e sceau, il y a l'ouverture d'aucun sceau. Amen. Et quand on enlève maintenant le voile du 7e sceau, on voit maintenant les 6 sceaux qui étaient déjà prévus. Vous voyez? Quand on arrive maintenant à la fin des trompettes, c'est-à-dire que le chef de l'épouse prend déjà fin. Et l'épouse, en ce moment-là, les trompettes, où est l'épouse? L'épouse est déjà dans la gloire. Et mais c'est quoi la gloire? C'est ça le problème. Nous allons voir ça ici. J'ai quelques citations ici où le frère madame nous parle, n'est-ce pas, du trône. On n'a pas inventé. Voilà pourquoi on a fait le nécessaire d'amener ces trucs pour que ça soit projeté là-bas. Il dit ceci. Which was 7 church ages? And there was 7 feast days that represented 7 church ages. Keep your numbers. Keep your numbers running. Amen. Donc, 7 âges de Christ ont été réprimandés dans la fête des moissons.
En principe, quand on arrive là, maintenant, à la fin de la moisson, c'est ce que Daniel n'avait pas vu. Ici, là, c'est le Messie qui était recherché. Comme j'ai toujours dit, il est venu chez les cieux ne l'ont point reçu. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là où il est parti maintenant chez les gentils. Il a commencé là chez les gentils avec Paul. Et durant tout ce temps-là, même la fête des moissons, si nous comptons avec les doigts, ça a pris près de 2000 ans. Maintenant, cela a embrouillé les Juifs. Vous voyez? Maintenant, les mêmes prophètes qui étaient ici-là, ils changent maintenant le ministère pour sonner les trompettes pour appeler les Juifs. Frère Branham dit, comment est-ce que les Juifs seront appelés? Il dit parce que Hitler et Mussolini ont mis les Juifs sous, la persécution. En fait, ils puissent fuir là où ils habitaient. Frère, ici, s'il y avait une promesse qu'on devait raconter le Messie au Congo, sans la persécution, personne n'est parti. Regarde comment nous sommes assis confortablement ici. Comme disait le frère, pourquoi on rentre au Congo, il y a un beau soleil là-bas. Mais un beau soleil, ça veut quoi? Ça ne signifie rien. J'aime le soleil avec la bouffe, n'est-ce pas? Bye, man. Alors, les Juifs, malgré la persécution, mais il y en a encore ici. Imagine que s'il n'y avait pas de persécution, comment ces Juifs allaient repartir chez eux? Donc, Israël et Mussolini ont été utilisés pour pousser les Juifs à retourner chez eux. Et pendant qu'ils retournaient, on leur dit que voilà, il faut entrer dans la religion de Jésus. Et l'un d'eux a dit que non, souvenez-vous, on nous avait dit que nous allons repartir chez nous au travers des grands oiseaux. C'était la vie. My. Parce que quand les prophètes voyaient la vision, il n'y avait pas de terre. Yes. Il appelle ça un grand oiseau. Maintenant, toi, tu vas attendre un grand oiseau à la taille de la vie, ça n'existe pas. My. Bon, même s'il existait, si l'oiseau vous venait là-bas, les têtes arrivaient, vous allez tous tomber. My. Mais les gens doivent ajuster leur pensée. Yes. Et quand on a donné la prophétie, là, il y avait quand même des ceux-là qui ont refusé. Ils ont dit quoi? Nous, on nous a parlé d'un corbeau ou d'un nègre, quand tu parles de ces trucs-là, l'avion. Non, non, tu parles. Pour eux, ils attendaient que Dieu puisse dire l'avion. Non. Enfin, tout ce qui est écrit dans la Bible, cela s'est passé à notre temps. C'est-à-dire que les prophètes, quand ils donnaient des prophéties, qu'est-ce qui s'est passé? Ils voyaient simplement dans le futur. C'est tout. Lorsque, comment le frère Baram dit, pas de Naoum. Il dit, Naoum a pris la périphérie de Chicago. Qu'est-ce que Naoum a fait? Naoum a voyagé dans le futur, il est venu jusqu'aux États-Unis. Avant la construction des États-Unis. C'est le frère Baram qui l'a dit. My. Il dit que qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des charrettes avec des torches. Frère Baram dit que c'était des voitures avec des phares. Parce qu'une charrette est connue par un cheval, BMW. Mais c'était, il dit, Frère Baram dit, remarquez qu'il n'a pas parlé de père ou de chevaux. C'était simplement des charrettes, mais avec des torches. C'était des phares. Il voit la périphérie de Chicago. Vous voyez comment ça tourne comme ça. Naoum avait déjà vu ça. Mais il allait décrire ça comme. C'est ça un prophète. Et aujourd'hui là, le frère nous dit que Ézéchiel a vu ce qui s'était passé aux États-Unis. Frère dit que Ézéchiel et Jacques ont vu exactement la même chose. Qu'est-ce qu'Ézéchiel a vu? Ézéchiel a vu simplement la prédication de frère Branham aux États-Unis. Maintenant, quand les gens disent ça, ils rigolent. La vision du frère Teba, c'est quoi ça? Les gens ne comprennent pas. Oh, cela a eu lieu ici. Ézéchiel a voyagé dans les temps. Amen. Mais le frère Branham va nous expliquer le fait. Dans le réveil du soleil, il dit ceci. S'il devait y avoir quelques rites sacrés, il devait s'accomplir les jours du sabbat. Ce qui était le septième jour de la semaine. C'est-à-dire les samedis. Mais avez-vous remarqué que dans cette fête commémorative, il fallait que ce soit agité des côtés et d'autres les premiers jours de la semaine. Amen. Donc, les gerbes, cette gerbe-là,
devait être agité au septième jour, pas dans le huitième jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la descente de la nuit, nous ne sommes plus au premier jour, au septième jour, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant dans le huitième jour. Cela veut dire que la gerbe a déjà été agitée. Mais nous allons voir c'est quoi cette gerbe qui a été agitée. Quand on parle de gerbe agitée, tout ça c'était les types. Le Femme a dit d'abord que c'était Jésus. Mais Femme a dit l'Ancien Testament et le Nouveau étaient les types de ces gages. Amen. Donc là-bas c'était une gerbe physique agitée. Au père de Jésus, c'était Jésus lui qui était cette gerbe qui a été agitée. Mais à notre temps, c'est encore le nouveau Jésus. Mais quel Jésus? Amen. La gerbe est la première de la semence que vous aviez plantée. Quand elle aura poussé, et qu'il a prêté la gerbe de côté et l'autre devant l'Éternel, pour que vous soyez agréés, que vous soyez acceptés, vous êtes venus avec votre gerbe. Et il doit l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Non pas les jours du sabbat, les septième jours, mais les premiers jours que nous appelons les dimanches S-U-N-D, les jours du soleil. Évidemment, un mot romain, eux, ils appelaient les jours du soleil à cause du Dieu soleil. Mais il y a eu tout un changement. Nous l'appelons les S-O-N. Parce que quand le jour est agité, dans le septième jour, et dans le huitième jour, il faut qu'il y ait une résolution. Maintenant, ce n'est plus S-O-N, soleil, c'est S-O-N, D, c'est-à-dire les jours du Fils, où c'est gré de blé, les premiers de ceux qui appartiennent à Dieu, qui s'est levé d'entre les morts, doit être agité de côté et d'autre. Maintenant, c'est quoi le grain de blé qui a été planté? Dans les âges de l'Église, c'est Christ qui est la parole, qui est mort dans l'âge d'Éphèse. Amen. Amen. Et dans l'âge de Smyrne, les chrétiens ont été massacrés parce que l'âge de Smyrne veut dire amertume. Quand on arrive maintenant, à l'âge de Pentecôte, c'est le mariage, c'est encore le mort, ainsi de suite. Jusqu'à la fin de l'âge de la Odyssée maintenant, il faut que le vrai Christ qui était tombé à terre dans les âges de l'Église puisse encore ressusciter. Mais remarquez maintenant, ici dans les âges de l'Église, c'est Christ qui revient comme étant la parole. Mais la parole ne peut pas se manifester sans un corps. Il faut qu'il puisse prendre le corps d'un homme. Voilà pourquoi on a vu maintenant la manifestation de l'une de ces plantes. C'est-à-dire que Jésus faisait les mêmes œuvres, mais cette fois-ci, pas dans le visage de Galilée, mais dans le visage du prophète qu'on appelle William Marion Branham. Voilà pourquoi on a vu le discernement de pensée. J'ai toujours dit que le frère Branham ne guérissait pas parmi les malades parce qu'il était gentil. Il était en train de le faire pour nous montrer quelque chose. C'est ça la gerbe qui est agitée. Frère, quand les gens regardent, lisent le message. Ils voient la guérison du malade. Ils voient le discernement des pensées. Et ils continuent toujours à attendre Jésus. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris que le grain de blé qui a été planté est encore arrivé à maturité. Et ce grain de blé-là a été agité de part et d'autre pour nous montrer qu'il y a déjà une solution. De la même manière que ce grain de blé est ressuscité, nous aussi nous résistons de cette manière-là. Voilà pourquoi le Père m'a prêché la résurrection de Jésus. Lisez cette prédication. Le Père m'a dit de parler des œuvres de Jésus en Galilée. Il dit qu'il se reproduit la même chose ici. Pour vous montrer qu'il n'est plus de la tombe, il est ressuscité de mort. On ne peut pas nous parler de la résurrection de Jésus déjà parce que là-bas, avant la seconde mort, Jésus est déjà ressuscité. Mais ici, quand le Père nous parle de la résurrection de Jésus, il ne dit pas que Jésus est monté à cause de la chambre haute. Non. Il dit, remarquez les œuvres qu'il avait fait là-bas, il le fait encore ici. Cela prouve qu'il est vivant. Amen. Ne disons pas que Jésus est vivant comme les pentecôtistes. Quand ils disent que Jésus est vivant, c'est pas bon. Amen. Enfin, madame, que les œuvres qu'il avait effectuées, qu'il avait fait ici chez nous, cela prouve qu'il est vivant. Amen.
pour dire que Jésus est vivant, il doit manifester la même chose qu'il avait fait là-bas. Je ne parle pas de ses nouvelles pensées, parce que ça peut être éliminé. Amen. Je ne parle pas de Jésus malade, ça peut être éliminé. Mais, la parole, les femmes là pouvaient discerner les pensées. Même si quelque chose, même si tu ne penses pas à la chose à la minute même, les femmes là pouvaient voyager dans ta vie. Comme il y avait une soeur qui est venue devant le frère maman. Elle était malade, elle voulait être guérie. Et le frère madame regarde comme ça. Le frère madame la regarde, il dit, je vois une jeune fille avec une robe bleue comme ça, si je me rappelle. Et la soeur a dit, c'était moi quand j'étais petite. Il dit, mais comment est-ce que tu connais ça? Le frère madame dit, ce n'est pas moi. Frère, est-ce que vous savez que le frère madame lui aussi écoutait le message? Le frère madame écoutait le message. Parce que quand il prêchait là du haut de la chair, ce n'était pas lui. Et une fois le frère Branham même, vous savez, quand il faisait la ligne de prière, il s'est fatigué. Souvent le frère Billy Paul était toujours à côté de lui. Et le frère Billy Paul le prenait pour l'amener dans la voiture. Donc il était KO. Si on n'enlevait pas de la chair, il allait tomber là. Parce qu'il portait la divinité. Et maintenant, quand on amène le frère Branham à la maison, on le plaçait directement sous le lit et il dormait de l'autre. Et il dit que un jour, la soeur mère a surpris le frère Branham après le coussin, il commence à prier pour le coussin. Il dit, hey, délire, mais tu as la maison, ça c'est le coussin. Amen. Pour vous dire que c'était un homme. Quand il sortait de l'onction, il devait lui aussi lire ou écouter le message. Le frère Branham écoutait le bâle lui-même. Pour recevoir son salut. C'est-à-dire que son corps a été pris en otage. C'est comme ça que Dieu a mouru Satan. Frère, le frère Branham a été très clair. Bon, ces choses, ce n'est que par prédestination. Ce n'est que par prédestination. Parce que prétendre attendre Jésus de Galilée, ça c'est être par le côté. Bon, si Jésus de Galilée vient ici, il vient de faire quoi? Dites-moi, il vient de faire quoi? Discernant vos pensées. Guérir vos malades. Ça, c'est déjà fait. Même si Jésus voulait venir, il dira, oh, non, ça ne tient rien parce qu'il l'a déjà fait là. Que les gens se posent la question. Quand Jésus viendra, il viendra faire quoi? Comment est-ce qu'on va le reconnaître? Pour le reconnaître, okay, même par son visage, le frère Branham a tenu le jacquard. Il dit que tout un posteur peut s'habiller comme ça. D'ailleurs, Jésus, il y en a plusieurs. Il y a un monsieur qui travaille avec moi à Christophe, il ressemble à Jésus. Yes, maman. Mais avec une forme de Christophe. Amen. Non, mais pourquoi vous cherchez les œuvres de Galilée? Jésus a regardé ma robe. Oh, peu importe ta robe. Peu importe ta barbe. Les œuvres de Galilée. Ok, je vais commencer. On lui dira arrête parce qu'on l'a déjà fait. Amen. Amen. Parce que Jésus, c'est qui? Jésus, c'est qui? Croyez le message. Les femmes ont appliqué. La Bible nous le dit. Que les enfants d'Israël ont marché dans le désert. Après que Christ, c'est lui que Abraham avait rencontré. C'était Christ, Melchisédek. Frère Branham dit que ça ne peut pas être Jésus de Galilée, parce qu'il avait un père et une mère. Et maintenant, Frère Branham dit qu'il était une colonne de feu. Après une colonne de feu, il est devenu maintenant une chair. Suivez le schéma. Une colonne de feu et une chair. Il a marché, il est mort à la croix et il est ressuscité. Il est monté. Lorsqu'il est monté, il est redescendu. Sous forme de la colonne de feu. Il s'est divisé en langue de feu de les disciples. Mais où Jésus? Jésus était dans les disciples. Ça dit, Frère Valère dit que
seulement sa forme originale. Parce que Jésus est galéen, ce n'était pas sa forme, mon frère. Yes. Sa forme, c'est la colonne de fer, il n'est pas l'homme de galéen. Amen. Jésus n'a jamais été l'homme de galéen. Il a toujours été la colonne de feu. Mm. Et lorsque Paul le rencontra sur son chemin de Damas, c'était une colonne de feu. Paul, tu lui qu'il était dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, Paul lui passait la colonne de fer à lui dire, je le vois. Comme un bon théologien. Mais il dit, je suis Jésus. Or, oh, la Bible le dit clairement. Mais la personne qui s'était présentée comme Jésus, ce n'était pas l'homme de Galilée. C'était une colonne de feu. Et la même colonne de feu, eux, est descendue au terme de Mana. Frère Mana dit que quand je suis né, la lumière est entrée dans la chambre. Frère Mana dit que la lumière là, à ma connaissance, c'est la même lumière qui avait conduit les enfants d'Israël. Et qui avait conduit les enfants d'Israël? C'est Jésus. La même forme, frère. Il est revenu. Frère Branham dit que depuis tout ce temps-là, je l'ai voilé. Amen. Comme Pierre m'avait voilé depuis le chef de l'homme. Comme Matthieu, comme Marc. Le frère Branham aussi l'a voilé. Et quand il se promenait, c'était lui. Mais regardez les députés. Thomas Paul dit que ces jours-là, j'ai vu Jésus dans un homme. On appelle William Branham Branham. Mais il n'est pas que le message. Lui, il a vu Jésus, mais il n'a pas suivi Jésus. Mais, frère, si on cherche Jésus, si on trouve Jésus, mais on va le faire. Jean-Baptiste a présenté Jésus. Vous savez que les disciples de Jean-Baptiste, lorsqu'on les avait présentés Jésus, beaucoup de disciples de Jean-Baptiste, on va prendre Jean-Baptiste. Parmi les disciples de Jésus, il y a les seuls qui étaient les disciples de Jean. Quand on dit, voici le Dieu qui va te prêcher du monde, on dit, oh Jean-Baptiste, tu es papa, vous suivez dans l'église. Maintenant, le Messie s'est pointé. Il a fait la même chose qu'il avait fait quand il était sur la terre. Pour nous montrer que la résurrection a déjà eu lieu. Que les mêmes graines qui étaient plantées et de nouveau en maturité. La fête de prémices est déjà arrivée. Parce que dans les âges de l'Église, c'était la fête, la fête de prémices. Il y a un truc qui me fait peur.